Allez, on est parti pour un full body. Vous avez besoin d'un tapis et de bouteilles d'eau d'Edis. Allez, on y va. Vous êtes en forme? Ouais. Ah, super. Super, allez, rajoutez pas, rapide. Le dernier, on reste en haut. Vous l'avez fait.
allongé sur en bas. Et mon pied arrière, il est toujours sur pointe. Vous allez voir, aujourd'hui, on va vite passer au sol. Je sais pas si c'est bien, hein, vous verrez. Vous jugerez par vous-même. Allez, trois derniers. Attention, sur le dernier. On rajoute les bras. On y va, les bras. Et on va pousser. Et on va tous. N'oubliez pas, on regarde toujours droit devant soi. On ne laisse pas tomber ses épaules sur l'avant, on se redresse. Très bien. Allez, courage. Il ne vous reste que 4 comme celui-ci. 3 fois. Est-ce que vous êtes prêts pour l'accélération? Super! Le dernier. Allez, à vous, go! En haut, en bas. C'est à partir de là que ça commence à piquer un petit peu. Hein. Est-ce que chez vous, vous avez mal un petit peu à votre cuisse là? Yes! Super, reste en bas, on bouge plus, on descend. Nos deux paumes de main se regardent, on y va, on ouvre. Et on referme. Super. Encore. Les coudes pas plus que les épaules, hein. Paumes de main vers le sol. Et on relâche. Désolée, je ne vous ai pas dit, on a deux séries.
Passer assis sur votre table, prendre tout de l'autre côté. Changer de jambe, c'est important.
Ensuite, on reprendra deux jambes alternées, genoux fléchis, dos aux oreilles, et on alterne les obliques. Hop, hop, super, on alterne les deux jambes, pousse et pousse. Si cette fois dur, on ralentit le rythme, on vient poser la tête au sol à chaque fois. Enfin, on accélère. Si ça vous fait mal en bas du dos, n'hésitez pas à descendre. Relâche un petit peu une deuxième série à la fin.
bras droit sous son bras gauche. On tire loin sur le côté, on essaie de venir poser son front au sol. Vous allez sentir un étirement sur votre épaule. Ça lâche bien. Venez repousser. Faites la même chose de l'autre côté. Placez vos deux mains au sol, repoussez le sol, déroulez, inspirez, grandissez-vous, poussez fort dans vos bras, allégez tout. Et venez mettre vos deux mains derrière, croisez vos mains, allez chercher loin, essayez de monter vos bras, sans aller vers l'avant, regardez droit devant, on se redresse. Posez vos mains au sol, retournez vos orteils, passez accroupi et relâchez complètement les bras, la tête au sol, tendez vos jambes. Fléchissez vos genoux, détournez votre dos. Enroulez vos épaules. Restez de face, je vous mets de profil pour que vous voyez bien. Placez un pied au sol devant. Puis arrière sur pointe, fléchissez vos deux genoux légèrement, inspirez. Et en soufflant, on essaye d'emmener son bassin vers le sol. Étirez les bras loin derrière vers le plafond. Vous allez étirer tout l'avant de la cuisse, le psoas. Poussez bien le bassin vers le sol. On va venir repousser ce pied qui est derrière pour que vous venez le saisir. Vous emmenez votre talon, votre fesse. Regardez droit devant. Pareil de l'autre côté, on pose son pied devant, fléchit son genou arrière, pousse son bassin vers le sol, on inspire et on souffle, on vient chercher loin derrière. On va en même temps vers le plafond et en même temps le bassin vers le sol. On va venir repousser, ramenez doucement votre pied arrière, saisissez, basculez votre bassin, alignez bien vos deux genoux. Relâchez, inspirez et grandissez-vous. Poussez dans vos talons, grandissez-vous vers le plafond. Vous vous sentez bien, tout va bien? Impeccable, super. Relâchez, essoufflez.